Vous lui voyez Emmanuel qui t'a entendu esquisser des pas de danse. Rappelons que ce week-end, elle l'a passé dans les périphéries d'Abidjan. Dans les périphéries, quand j'ai dit périphéries, un lieu à côté d'Abidjan. Bien sûr, pas de l'île pour l'île, mais c'est un lieu où pour avoir accès, il faut aller par bateau. Donc, c'était un coin paisible, silencieux. Elle a passé un bon et un agréable séjour. Et comme c'était bien chic là-bas, ses sœurs ont tout fait pour la retrouver là-bas. Voilà, ses sœurs ont tout fait pour la retrouver là-bas. Notons qu'elle était sur les lieux avec son amie de longue date. Voilà, voici une de ses sœurs qui esquisse des pas de danse. Je crois que ce sont ces deux sœurs qui sont allées la retrouver là-bas. Et ici, elles sont allées s'amuser le matin. Voilà, entre sœurs, tout ça fait du bruit. Elles sont trois, je crois. Elles étaient trois, non? Oui, elles sont deux. Elles sont deux. Oui, elles sont deux. Sinon, dans d'autres vidéos, comme on l'avait vu des semaines dernières, on avait vu élu deux de ses sœurs, mais là, c'est une de ses sœurs avec qui elle a esquissé des pas de danse. Voilà, dans la joie, dans la gaieté. En tout cas, bon séjour à elle et espérons qu'elle passe un voilà. Voici l'autre sœur qui réapparaît avec son postérieur, tout ça, en train d'esquisser des pas de danse. Bon, pour juste s'amuser. Faire le fun, pour le fun, pardon. Et en tout cas, bon séjour à elle, parce que je parie que ce séjour doit être fini aujourd'hui. Bon, c'est déjà fini, hein, parce que là, elle passe un agréable séjour. Bon séjour à elle et qu'à travers ça, les gens sachent qu'on n'a pas besoin d'aller à Dubaï, dans les autres lieux. Pour kiffer paisiblement, on a tout ici en Afrique. Pour kiffer, on a tout ici en Afrique. Pour passer d'agréables moments en famille, en conjoint avec les enfants, tout ça. On a tout ici, pas besoin d'aller à l'étranger. C'était tout, hein. Voilà pour cette vidéo-là. Comme vous le voyez ici, c'est le petit déjeuner du matin. Elle saute et puis voilà, elle montre la vue qui est très très belle, très bien verdoyante. Et bon séjour à elle.